c'est un paquet, c'est clair. La consigne. C'est bien, c'est bien. C'était pas un reproche. Entrez, Marion, on va entrer, entrez. Bonsoir Marion. Marion Séclin qui précisément ne décroche jamais de son jamais, téléphone. Jamais, mais si je décrochais, il n'y aurait pas de chronique. Ah non, c'est, je ne sais vrai. Pas ce que je ferais comme métier, ce serait terrible. Vous êtes née dans un téléphone portable. Exactement, je suis un téléphone portable. C'est vrai, ça se voit. Ça ne se voit pas. Je voulais vous proposer de commencer par une photo qui fait débat sur Internet, tellement que c'en est devenu un jeu. Il s'agit de trouver quelle est la star sur cette photo. Alors, selon Tom vous, ouais. Est-ce qu'il s'agit de Tom Hanks ou de Bill Murray? Tom Hanks. Eh bien, c'est perdu, c'est Bill Murray, non. L'acteur de Ghostbusters et de Lost in Translation. Ah, c'est bien ce jeu. Oui, oui. Allons-y, continuez. Alors, j'en ai une autre. Celle-ci est un peu plus facile. Est-ce que, d'après vous, c'est Leonardo DiCaprio ou c'est Jack Nicholson? Ah, bah, ça va être Nicholson, j'imagine. DiCaprio. Non, DiCaprio. Moi, je pense que c'est DiCaprio, mais c'est. Non, c'est bien DiCaprio cette fois, mais alors, il imite Jack Nicholson quand il fait sa tête inquiétante. Ça marche assez bien. Très bien. Attention, la dernière pour finir, plus difficile. Est-ce qu'il s'agit de Marion Séclin ou de Charles Berling? Non, la photo est très moche. Voilà, vous l'avez vu, c'est un piège, c'était moi ce matin en fait. Voilà, désolé. Voilà, je vous mets une très bonne note, vous avez tous très bien joué. C'est vrai qu'on a l'avantage avec Internet de pouvoir tout noter, ce qu'on fait, les restaurants, les spectacles, même votre chauffeur. Des notes partout, on se croirait encore un petit peu à l'école. Ouais. Et alors, là, j'ai découvert que la Chine voulait aller encore un peu plus loin puisqu'elle va évaluer ses citoyens. Elle va partir de leurs données personnelles, voilà. Donc tout ce qu'ils font sur Internet, leurs recherches, leurs centres d'intérêt, tout ça. C'est exactement ce que disait Eugénie tout à l'heure. Terrible, terrifiant. Et la Chine va leur attribuer une note de confiance. Alors les meilleurs élèves seront récompensés et les moins bons seront sanctionnés. Terrible. C'est une révolution qui pourrait s'appliquer dans certaines entreprises, en tout cas dans la mienne. Regardez. Marion a sa propre méthode de management. Moi, je note tous mes employés sur 5, sur leur quotidien, et j'ajuste à la fin du mois le salaire. Bonjour Marion. Bonjour Stéphane. Alors là, typiquement, pour le sourire de Stéphane, mais je lui mets 5. Hein. C'est superbe, le vivre ensemble, savoir-être. C'est une méthode qui exige le meilleur de ses employés. J'en ai connu, mais des comme vous, jamais. Alors décapissez. Stéphane, vous pourriez sourire quand même. 2 pour le sourire, pas plus. Du coup, Marion sait obtenir ce qu'elle veut. Super joli pull, hein. Merci. Très très joli, ouais. Non mais vous voyez, ce système de notation permet finalement de garder des rapports très très sains entre nous, entre collègues avant tout. Joli pull, Marion. Merci madame. Ça c'était ma patronne. Attendez. Ça se passe bien finalement. Ça se passe très bien, vous voyez, ça fausse pas du tout les rapports. On ne fausse pas les rapports. On est tous sur un pied d'égalité. Et je vous laisse avec une magnifique petite image. C'est un paresseux qui joue du métal au banjo. Parfait. Ça dure, il peut dire, il peut dire.